Je vais vous faire une petite leçon de dessin à partir des trois poissons. C'est un livre, enfin mon dernier livre. Comme tout personnage, il y a toujours un point de départ. Donc après réflexion, je voulais qu'il soit super simplifié dans ce genre-ci, quoi. Voilà. Et bon, bah, ça l'était peut-être un peu trop. Et donc j'ai continué en refermant la nageoire et en posant un œil. Voilà. Bon, c'était pas assez expressif, donc j'ai gonflé un peu le poisson. Je lui ai fait une bouche. Et je suis arrivé à ça. Et bon, la forme n'étant pas tout à fait satisfaisante, je l'ai. C'est presque un rond écrasé avec une bouche ouverte pour marquer l'expression. Une nageoire. Et pour mettre un peu de vie dans le dessin, j'ai rajouté un peu de matière dans la nageoire. Voilà. Bon, on est arrivé à ça. Et puis après, je me suis dit, est-ce que c'est encore trop simple ou pas assez? Et bon, j'ai continué. Donc là, on peut lui ajouter des nageoires. Voilà. Et puis après, on le recontinue. Bon, on a une nageoire ici, une là, et puis après avec les écailles. Voilà, et mon choix s'est porté sur celui-ci. Voilà. Dans le sens où il était simple et un tout petit peu compliqué et qui, si on rajoute des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires, quoi, c'est pas qui perturbe même l'expression. Bon, maintenant, en l'abordant peut-être aujourd'hui, j'aurais peut-être fait d'une toute autre façon, mais enfin, à l'époque, c'est celle-ci qui me semblait la plus juste. Voilà.